Alors, l'ensemble de notre après-midi a été centré sur la réflexion de Jean-Baptiste sur l'écologie, et donc de ce fait, nous avons laissé de côté l'autre grande passion de Jean-Baptiste qui était Peggy, et se pose évidemment la question de savoir, probable que cet homme n'était pas complètement clivé, et donc peut-être qu'il y aurait à chercher des liens entre sa passion pour Peggy et sa passion pour l'écologie. Eh bien, ce défi redoutable, notre collègue et ami Domenico Attanea l'a relevé, et le lien possible qu'on peut trouver entre l'intérêt de Jean Baster pour l'écologie et la compétence qu'il avait développée à propos de Charles Peggy. Dominique est elle aussi membre de l'équipe de recherche de la chaire Jean Baster. Elle enseigne la morale sociale à la faculté de théologie où elle est directrice du CRESO. Merci Jean-Marie. J'ai la redoutable tâche d'être la dernière intervenante, et alors d'autant plus redoutable que je suis, comme Élie, pas du tout spécialiste de Jean Baster. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que je m'aventure sur ces terres qui ne sont pas les miennes. Alors je vais vous proposer tout simplement et avec beaucoup de simplicité trois étonnements. Et vous proposer dans cette journée d'hommage un pas de côté. Parce que ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est simplement une hypothèse de recherche que je livre à votre sagacité, à vous qui êtes des spécialistes de Jean Baster et moi qui ne le suis pas. Vous donner une hypothèse et un pas de côté dont le premier étonnement est celui de voir à quel point Jean Baster a été inspiré, on l'a entendu tout au long de cette journée, dans une première partie de sa vie, par une lecture extrêmement assidue et tout à fait reconnue en tant que lecteur de Charles Péguy. Et il se trouve qu'il a longuement habité cette œuvre et que peut-être, et c'est cette première hypothèse que je vous propose, est-ce qu'il l'a puisé dans cette lecture de Charles Péguy, quelque chose qui pourrait être un pont entre Péguy et son engagement écologique. Voilà, première question, premier étonnement. Quel pont de Péguy à l'écologie chez Jean Baster? Alors, pourquoi s'intéresser à ce pont, puisque je ne suis pas spécialiste? Tout simplement parce qu'il se trouve que Charles Péguy a été aussi la source d'inspiration d'un auteur que j'ai beaucoup travaillé pour ma thèse et qui est un père jésuite, philosophe et théologien du XXe siècle, qui s'appelle le père Gaston Fessard. Il se trouve que chez le père Fessard, la relecture du travail de Charles Péguy a été absolument décisive parce qu'elle lui a permis de saisir, on pourrait dire in vivo, un des éléments qui est un peu le tournant, un moment clé de la posture éthique qu'il cherche à exprimer dans ce temps très troublé. Gaston Fessard est né en 1897 et mort en 1978, et il est surtout l'auteur d'une réflexion sur la question de la position et de la posture politique, et notamment celle du gouvernement de Vichy au moment de l'occupation allemande. Il a écrit un texte qui est un texte paru de façon clandestine comme le premier numéro de la revue Témoignages chrétiens, 1942. Et dans ce texte, qui est intitulé Le prince esclave, il s'interroge sur la résistance spirituelle et morale que les chrétiens, dans ce moment très tourmentés de l'histoire, peuvent opposer à cette idéologie nationale-socialiste. Ce texte a été retrouvé par le père Frédéric Louzeau, qui est directeur de recherche au Collège des Bernardins, et publié en 2009 à la suite de son travail de recherche sous le titre Collaboration et résistance au pouvoir du prince esclave. Alors, pour avoir longtemps travaillé ces textes, voilà le deuxième étonnement que je vous livre. Au fond, dans l'œuvre et dans la référence explicite à cette œuvre de Charles Péguy, le point d'attention de Gaston Fessard est celui de la mise en évidence par Péguy, dans des notes sur Monsieur Bergson et la philosophie bergsonienne, d'une morale souple.
Il trouve chez Peggy les linéaments de ce type de raison, de ce type de logique, de ce type de méthode et in fine de morale, par opposition à une morale raide, dont Peggy souligne les errements. Alors, ma question serait, est-ce que nous pourrions, à la suite de Fessard s'étonnant de cette morale souple et de son opposition à la morale raide, penser que cette dynamique d'une morale souple puisse être le schème de pensée infus dans l'œuvre de Jean Baster en matière d'éthique théologique de la création? Je vais simplement devant vous tenter d'éclairer cette proposition de Charles Peggy. Pourquoi une morale souple est-elle plus fidèle, plus exigeante, plus pertinente pour tenir à jour son cœur et son esprit? Et en quoi les caractéristiques liées à ce style de morale sont-elles décisives pour un renouveau d'une pensée chrétienne de l'écologie? Il me semble que pour sortir des raideurs, des postures écologiques militantes et entrer dans la finesse d'un discernement des signes des temps, d'un kairos écologique, alors nous pourrions avec grand profit suivre Peggy dans cette manière de déployer cette morale souple. Elle pourrait s'analyser comme une conversion écologique du regard, du cœur et des actes qui exerce, selon ces termes, les contraintes les plus implacablement dures. Car elle est à la mesure de cet appel lancé par ce temps de la finitude, car il s'agit de fait pour chacun de passer du statut de spectateur à celui de partenaire engagé dans une tâche qui ne s'absente jamais, une tâche d'hospitalité créatrice. Je vous propose de relire donc cet itinéraire à partir de deux étapes que vous avez dans le plan qui vous a été distribué. Relire la proposition de Peggy pour instruire le procès de la morale raide et percevoir la puissance de discernement de cette dynamique d'une morale souple. Et tirer de cette proposition une approche de morale souple qui puisse favoriser le discernement en conscience des enjeux écologiques et, selon les vœux de Jean Baster, participer d'un renouveau de la pensée chrétienne sur les questions écologiques. Donc, vous avez aussi le texte qui vous a été distribué, cette note sur M. Bergstone, les pages 53 et 56, que je vais me permettre de commenter rapidement. Donc, la morale souple, selon Charles Peggy, affrontée à la morale raide. Pour Peggy, il s'agit de contrecarrer un préjugé bien ancré dans les mentalités. Voilà le préjugé. La raison, la logique et la morale raide est plus de la raison que la raison souple. Peggy nous dit, il est évident au contraire. Et justement, c'est qu'il n'y a aucune évidence, mais qu'il y a un point de discussion très ferme à opérer. Point de discussion sur le fait que, est-ce que les méthodes, les logiques, les morales souples sont plus sévères, plus serrées? Pourquoi? Que les morales, les logiques ou les méthodes raides, qui selon Peggy sont infiniment moins sévères. Pourquoi? Il ajoute, une logique raide peut laisser échapper les replis de l'erreur. Une méthode raide peut laisser échapper les replis de l'ignorance, une morale raide peut laisser échapper les replis du péché. Donc il s'agit donc d'opérer un retournement de la pensée. Une morale souple n'est pas laxiste, une morale souple épouse, dénonce, poursuit les sinuosités d'échappement du péché, des fautes, des déficiences. Il s'agit en permanence dans cette relecture de vie de poursuivre, atteindre, dessiner les sinuosités des défaillances. Il nous dit que c'est dans une morale souple que tout apparaît, tout se dénonce, tout se poursuit. Pourquoi? Parce que dans un compartimentage raide, il peut y avoir, dit-il, impunément, c'est-à-dire sans être puni, sans être visualisé et discerné, des manques, des creux, des faux plis. Et sa thèse, la raideur est essentiellement infidèle et c'est la souplesse qui est fidèle. Contrairement à ce que l'on croit et enseigne communément, la raideur triche, ment, permet tout, ne signale rien. La souplesse ne triche pas, ne ment pas et ne laisse pas tricher, ne laisse pas mentir. Cette posture de la raideur
nous dit-il, c'est être laissé là. Être laissé là aux prises avec les poussières, avec les microbes, avec les moisissures, les creux de pourriture dans les coins. Dans les raideurs, il y a des dépôts, des saletés qui viennent de l'immobilité d'être laissé là. Alors la souplesse. La souplesse, c'est être perpétuellement tenu à jour. C'est-à-dire exercer une contrainte d'autant plus implacable qu'elle ne s'absente jamais. Une astreinte impeccable, c'est-à-dire qui exige un cœur perpétuellement tenu à jour, un cœur perpétuellement pur, un esprit perpétuellement tenu à jour, perpétuellement pur. La définition de Peggy, de l'honnête homme, cet homme selon la vertu, ça n'est pas d'entrer dans des règles apparentes. Voilà, la raideur, c'est entrer dans une fixité, dans des règles apparentes. L'honnête homme, lui, c'est endurer l'exigence de tenue à jour de son cœur et de son esprit. Alors, essayons de trouver comment cette opposition entre morale raide et morale souple est un antidote à la paresse et à l'immobilisme, cœur et esprit, vous l'avez perçu, perpétuellement tenu à jour. Regardons de plus près ce que signifie cette tenue à jour dans la tradition morale. Nous pouvons la traduire comme l'exigence d'un cœur et d'un esprit disposés à l'écoute, ouverts à l'appel d'un examen de conscience permanent. Ce terme d'examen de conscience, je l'entends bien, est tout à fait déprécié aujourd'hui comme s'il soulignait une raideur, un droit de regard extérieur sur la droiture des mouvements du fort interne. Or, l'écoute persévérante et éclairée de l'appel au cœur de l'être, d'une voix de la conscience qui est loi et voix, VOIE, selon la très belle expression conciliaire de Gaudium et Spes numéro 16, et le mouvement même de l'apprentissage d'une vie examinée, d'une vie conduite, selon cette très belle expression des Lumières, d'une liberté de conscience revendiquée par cette fondamentale dignité humaine et reprise dans le texte de Dignitatis Humanae du Concile Vatican II. Je cite le numéro 3, « La vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'éducation ou de l'enseignement, de l'échange et du dialogue, car c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine, c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement toutes ses activités pour parvenir à la fin qui est Dieu. » La liberté de conscience n'est pas splendide isolement, mais mise en relation, écoute de cet appel à la fraternité qui sourd au moindre contact d'être essentiellement relationnel. Écoute de cet appel d'un ouvert qui libère l'homme et son monde d'une autonomie autarcique pour l'inscrire dans un espace d'écoute et de réponse. L'espace d'une éducation à la liberté dans la responsabilité mutuelle. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et la seconde interrogation après, où es-tu dans ce jardin de la création ? L'examen de conscience est osé formuler le paradoxe d'une intériorité habitée par un autre, tout autre, bonté originelle qui garantit notre vie là où seule nous la perdons. Puissance de don et de pardon qui dépasse tous nos manques et nous sauve. Bonne nouvelle d'un salut donné par amour dont le Père est le garant lorsque le Fils en déploie la puissance de vie par la force et l'envoi de l'Esprit. Cet examen de conscience aujourd'hui est très souvent remplacé dans les propositions, qui sont les propositions de notre monde, par des méditations de pleine conscience ou des croissances d'état de conscience. Toutes ces propositions de développement personnel peuvent potentiellement activer cet apprentissage de la puissance d'une vie examinée. Nous constatons cependant qu'elles ne sont pas toujours au clair avec les ressorts de la conscience morale. Nous sommes cependant témoins d'une soif de notre époque pour une réactivation du sens de l'agir, une quête d'adéquation de l'homme avec son milieu, d'un désir d'harmonie. La tradition chrétienne est porteuse d'un trésor spirituel et éthique en ce domaine de la quête du sens de la vie. Soulignons maintenant, si vous le voulez bien, dans un second temps, la pertinence de cette morale souple, de cette vie constamment tenue à jour, c'est-à-dire examinée,
pour répondre aux défis de l'heure, sortir de la raideur des postures écologiques pour embrasser la souplesse d'un examen de conscience international permanent qui ouvre à un renouveau de la vie commune au sein d'une création dont nous sommes les hôtes. Donc, de la raideur des postures écologiques à la souplesse d'un examen de conscience international permanent. Il s'agit donc de ne pas se laisser enserrer par l'apparence des règles, mais d'oser la souplesse d'un examen de conscience. Et j'en veux, on pourrait dire, pour lieu d'expression contemporain, cette conférence dont nous avons parlé plusieurs fois, COP21, qui aura lieu à Paris, sommet de la Terre, sommet du climat, de décembre 2015. L'enjeu de cette tenue à jour des instances internationales pilotées par l'ONU, d'une quête de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste pour cette humanité commune. Il s'agira alors de sortir des postures anti ou pro, des climato-sceptiques ou des militants de la cause pour embrasser l'ampleur des défis, rien moins que des enjeux de vie et des enjeux de mort. Une vie tenue à jour, selon le mouvement de cette morale souple, suppose d'entrer dans cette dynamique d'examen et pour une part, elle est crucifiante. Examiner, c'est peser. Peser personnellement et collectivement en fonction de l'équation sociale de chacun, la part de responsabilité qu'il embrasse, ne serait-ce qu'en tant que consommateur et citoyen, pour viser une sortie du mal-être. Une vie tenue à jour pour viser le bien à réaliser en commun, c'est une quête d'une paix authentique qui consiste en une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice ainsi que par la protection due à la moralité publique. C'est une sortie de l'égocentrisme pour embrasser les enjeux décisifs de cette vie fraternelle et solidaire, jamais sans les autres, et en respectant les règles pour la visée d'une vie commune, soucieuse du mieux-être de chacun, en contexte de fortes contraintes écologiques, de raréfaction des ressources, de pression sur les équilibres et la biodiversité, de juste répartition des contraintes. Vous percevez immédiatement à la difficulté de ces sommets combien ces chemins d'un examen de conscience ne s'empruntent jamais seuls, avec des hommes et des femmes dûment formés dans une spiritualité de l'écoute, car ces chemins exigent une permanente relecture critique de la vie commune. Je vais citer ici un passage de Gaston Fessard qui va nous permettre de saisir ce mouvement. « Être social ou individuel, celui qui ne peut jamais choisir n'est pas libre. Pas davantage celui qui ne peut choisir qu'une fois et qui, tel le citoyen de Rousseau, voit, sitôt le choix fait, sa liberté aliénée par la volonté générale. Parce que la personne a toujours un être enserré en un faisceau de conditions matérielles qui, concentrées en son moi charnel, ne sont que l'envers de valeurs spirituelles, l'onde de conscience réflexive qui le personnalise ne peut se fixer exclusivement ni sur l'élément charnel ni en l'idéal spirituel, mais par une oscillation constante de l'un à l'autre, elle doit élever et racheter celui-là en y incarnant celui-ci. Le libre choix des peuples comme des individus à disposer d'eux-mêmes ne se réalise pas d'un coup, mais par une création continue, par un progrès incessant qui respecte et les valeurs spirituelles et leur base charnelle. Vous entendez dans cette mise en évidence de la création continue qu'il s'agit de faire advenir des personnes en indiquant le sens ou poursuivre l'unité avec tous. Et cela s'opère par cette oscillation constante, cette onde de conscience réflexive qui suppose de pouvoir s'appuyer sur la tradition sapientielle d'une vie selon la vertu, qui dispose l'homme à agir conformément à sa fin. Parce que la vertu, nous dit Gaston Fessard, est un milieu entre deux extrêmes, le tentateur adopte la tactique suivante. Il ne montre à la conscience jamais qu'un des côtés auxquels elle doit être opposée et lui fait oublier l'autre.
Ainsi la fait-il dévier insensiblement. À force de la pousser exclusivement dans un sens, il finit par la changer en son contraire. Toute notre étude n'est en définitive qu'un effort pour faire réfléchir la conscience nationale en face de la tentation à laquelle elle est soumise et lui faire trouver, en fonction de sa fin, le bien commun, le moyen de la vaincre en restant dans le juste milieu. Cette règle du bien commun maintient ainsi ouverte la porte et de la révolte des consciences. Passer de la résignation à la résistance active et légitime à chaque instant tant que reste en suspens le dénouement du drame. Cette quête incessante du juste milieu impose à chacun de peser ce que sa position initiale décelait de partialité pour corriger son point de vue unilatéral en échangeant les points de vue relatifs. Se laisser guider selon les exigences implacables de cette morale souple suppose à chaque instant de refuser les postures dogmatiques et d'oser passer par le point de vue de l'autre. Quitter sa partialité et chercher ensemble les chemins d'une sagesse écologique, participant d'une même création divine, l'homme porte la responsabilité particulière d'une réponse à la hauteur de sa vocation de fils et de frère universel. Dans le moment écologique qui est le nôtre, nous pouvons penser à ce mouvement comme entrée résolue dans une quête d'hospitalité avec la création qui nous porte et les créatures qui, avec nous, participent de cette création continuée. Il me reste ? Parfait. Donc, je vais terminer en mettant en évidence qu'en matière écologique, il s'agit de décliner ce cheminement d'un jugement en conscience qui passe par le point de vue de l'autre avec la visée d'une alliance. Chaque membre du corps social, en fonction de sa position personnelle au sein de cette communauté d'existence, doit assumer un rôle médiateur, passeur et acteur de cette hospitalité originaire, colonne vertébrale de cette morale souple. Ceci suppose d'apprendre à doser son attitude dans cette quête d'équilibre entre points de vue opposés. Cette voie de sagesse n'ignore rien des axiomes de fait qui mobilisent les luttes politiques et nous savons bien à quel point dans les instances comme l'ONU, dans la COP21 qui va se tenir à Paris, les luttes de pouvoir, les luttes d'influence seront absolument décisives. Il s'agit au contraire de connaître, d'anticiper pour ne pas manquer à la prudence, mais jamais ces axiomes de fait ne peuvent devenir les impératifs d'une visée d'hospitalité. Car la caractéristique de la sagesse chrétienne est de prendre pour idéal ce qui est folie et scandale pour la sagesse des nations. L'amour absolu, universel concret, qui articule sans confusion ni séparation, quête d'une plus grande justice en matière écologique et surabondance de la gratuité de l'acte créateur. Les luttes ne sont pas niées dans la morale souple, mais accueillies comme des occasions historiques d'engager un travail d'accomplissement. Ne garder de chaque point de vue opposé que la justesse de sa part de puissance créatrice pour nouer en un nouvel état de conscience politique le vrai et le bien de chaque revendication partielle. Cette tâche passe par l'objectivité d'un ordre de droit qui inscrit ce degré supérieur d'unité dans des lois et dans des pactes. De cette manière, se construit progressivement une conscience écologique. À ce rythme, d'un ordre de droit plus juste que l'ancien, se développe la conscience des obligations et du rôle qui lie chacun à l'égard des autres personnes morales. Développer sa conscience, l'élever, c'est du même coup la fortifier et la hausser au niveau des plus durs sacrifices. Cette éducation de la conscience politique dans la lutte écologique est le meilleur garant contre les abus de pouvoir, car le gouvernement orienté vers la visée d'un bien commun écologique n'a pas besoin d'exiger une soumission d'esclaves pour obtenir des citoyens ce qui est nécessaire à leur conservation et à leur développement. Ce souci permanent d'articulation
est au cœur même de l'enseignement social de l'Église catholique pour l'éveil et la formation des consciences. Et il est instruit dans les éléments de décision, on pourrait dire, du magistère, comme une tâche propre d'humanisation, vigilante à passer par le point de vue de l'autre pour chercher ensemble, selon Gaudium et Spes 16, que je cite ici, chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Des éléments décisifs en matière de discernement en conscience sur les questions écologiques nous sont proposés au cœur de la pensée sociale, en dialogue avec nos frères chrétiens, à partir du concept de destination universelle des biens. Trois éléments dans ce concept, le don, l'équité et la communauté. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Voilà le don créateur qui doit être, dont il s'agit d'user en toute équité, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Le point d'attention ici est celui de la juste répartition des richesses. Troisième élément, la communauté, c'est pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il fait des biens de la terre, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais le regarder aussi comme commune. Tous les hommes ont le droit d'avoir une part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille, en tenant compte de cette option préférentielle pour les pauvres. Il s'agit ici d'insuffler suffisamment de foi-confiance pour devenir un hôte conséquent et suffisamment d'espérance pour accueillir cette force extraordinaire qui nous pousse à nous engager pour la justice et pour la paix. Non sans lutter contre la passivité, l'irresponsabilité et le refus de servir. Je conclurai en soulignant que vous percevez à quel point cette incessante tenue à jour de nos prises de position compose les axes d'une éthique de la responsabilité écologique comme hospitalité créatrice. Nous venons de tracer à l'écoute de Charles Péguy un chemin pour exercer avec lucidité cette tâche de discernement au sein du kairos écologique, temps de la fin, qui n'est pas la fin des temps, mais lieu, moment décisif d'un appel pressant à exercer notre responsabilité en toute conscience humaine et chrétienne, afin que l'hospitalité originaire dont nous sommes bénéficiaires en ce monde soit notre horizon et notre tâche à la suite de celui qui s'est fait hospitalité même, c'est-à-dire force de dépossession de soi au profit de tout autre. Nous avons à rendre raison de cette espérance au sein d'un monde qui aspire à l'unité, la reconnaissance mutuelle et l'amour, et pourtant ne cesse de se détourner de la conversion des mentalités et des changements de structure que la prise en charge conséquente de cette hospitalité originaire requiert. Je terminerai en reprenant l'exhortation apostolique de notre pape François, la joie de l'Évangile. Ne nous laissons pas voler l'espérance, telle est l'injonction, car il s'agit ici de souligner que ce style de morale souple, ce style moral est indissolublement vie spirituelle, au sens de vie selon l'esprit, apte à tracer les contours de notre engagement à partir de nos convictions bien pesées. Cette injonction est une manière humble mais persévérante de nous préparer à la lecture de la prochaine encyclique sur ces questions écologiques. Elle devrait tracer les chemins de vie que la prise en charge des questions écologiques nous invite à emprunter de manière résolue, pas seule, pas uniquement en réseau chrétien, mais avec et pour les autres. Et gageons que cette écoute affinée de la pensée de Jean Baster tout au long de cet après-midi d'hommage nous aura préparés à cette hospitalité créatrice.